Alors évidemment. Bonjour à tous, je peux pas vous le cacher, je suis en vacances. Je me suis trouvé un petit coin en Bretagne, pas dégueu. Je déconne évidemment, on est en Thaïlande. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas venu ici pour les prostituer. Je suis pas comme ça, moi j'ai besoin d'un minimum de sentiments pour donner de l'argent à quelqu'un. On est sur une petite île qui s'appelle Pipi. Je suis venu ici en petite partie parce qu'on l'avait conseillé, que c'est très beau. Mais surtout en grande partie parce que le nom est rigolo. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montre un peu plus le paysage. En attendant, je vous donne 10 secondes d'avant-goût, comme ça. Allez, 13 secondes si vous insistez vraiment. Vous êtes dur en négociation vous, hein? Oh la vache. J'ai un projet en tête pour vous montrer un peu plus le pays, mais ça prendra du temps, donc ça viendra pas tout de suite. En attendant, on va faire un petit tour au village. Parce que là, on est sur une plage très touristique, mais juste à côté, il y a un tout petit village. Voilà, c'est mignon. Je sais pas si on le voit bien. Et je voulais qu'aujourd'hui, on fasse ensemble nos petites courses pour faire une dégustation de produits locaux. Oui, parce que j'ai jamais fait de dégustation sur ma chaîne. Je trouve ça un peu trop facile de faire ça à Paris en commandant des produits sur Internet. Non, moi, je préfère le faire sur le terrain. Je suis venu ici il y a 2 jours. J'ai acheté un paquet de chips. Il n'était plus bon depuis 3 mois. Il est donc fortement probable que je monte cette vidéo intégralement dans l'espace toilette. On va faire les courses. Ah oui, ici, quand on rentre dans un magasin, il faut enlever ses chaussures. C'est un signe de respect. Bon, je sais pas si l'odeur de mes pieds est forcément un signe de respect, mais bon. Je me plie un peu aux traditions. Voilà, ça a l'air particulièrement pas bon. C'est des insectes. Plein d'insectes différents. Je déteste ça. Je commence à transpirer. C'est pas la chaleur, c'est la peur. Beaucoup de choses vertes ici. Est-ce qu'il n'y a pas une boisson locale aussi? Ok, très bien. Et aujourd'hui, je reçois évidemment un invité. Dis bonjour. Coucou. C'est un youtubeur local. Ils sont deux, ils sont autour de moi, ils regardent la nourriture. Ils commencent à me faire flipper là. Il va falloir partir là. Putain, ces youtubeurs qui veulent absolument être dans les vidéos des autres. Ok, je vais commencer. Vous me laissez tranquille. Putain, avec les oiseaux, j'ai pas de charisme. Et pour ajouter un peu de piment à cette dégustation, vous avez vu le jeu de mots, piment, dégustation. Je vais mettre tous les aliments dans une corbeille et je tirerai au hasard. Comme ça, il n'y aura aucune logique et je ne pourrai rien refuser. Et la corbeille me servira aussi potentiellement pour vomir. Et quand même, pour rester propre. C'est parti. On commence avec des biscuits sticks, ça a l'air très mignon. Seaweed, c'est-à-dire que c'est de la bœuf de la mer. Un biscuit un peu salé, pas dégueu. Ils veulent pas me laisser manger, vous voulez pas, non? Ils veulent manger, d'accord. Bon, je dois nourrir des oiseaux en même temps que la vidéo. Petit oiseau, voilà, faut me laisser tranquille maintenant. Ça enchaîne. Alors ça a l'air d'être du tournesol, donc. Voilà, les plus grands designers ont travaillé sur ce packaging. Voilà, c'est des petites graines. Pas mauvais. Suivant, oh, pas du tout envie d'y aller là. C'est les insectes. Ça n'a pas l'air bon. En plus, je ne peux rien lire, donc je peux même pas me rassurer. La seule chose qui a marqué, c'est que c'est un produit bio. Voilà, j'espère. Je vais peut-être les filer aux oiseaux directement. J'arrive pas à l'ouvrir, on est obligé d'annuler cette vidéo. Non, non, j'ai pas envie là. Oh. Pourquoi j'ai pris 3 paquets en plus? Ah, je déteste ça. Hein. Je joue pas là. J'ai pas envie. De l'eau. Tiens, mangez les insectes, mangez. Je vous le donne entier. Là. Viens manger les insectes. Ah bah il en veut pas, il est pas con. Ça enchaîne. C'est quoi? Ah, il est graines de pastèque. Très dur à manger. Peut-être ça s'ouvre en fait. Peut-être pour ça que c'est dur à manger. Possible que je passe pour un con là. Je pense que même les oiseaux vont se foutre de ma gueule. Ouais, ça va. Suivant. Non. Pas ça. Mais regardez en plus les dessins qu'ils mettent comme si c'était mignon. Ah, il y a une odeur là. Oh! Pense à un truc qui t'a fait du bien il y a pas longtemps. Il y avait le Ladyboy là à Bangkok. Oh! J'ai envie de vomir. Faut faire passer le goût, je vais goûter ça. Ça a l'air d'être le Red Bull local ou un sirop, je sais pas. C'est peut-être un médicament. Je suis peut-être en train de me droguer là. Oh! C'est une sorte de Red Bull mais très sucré. Ouais, c'est peut-être un sirop pour la gorge. Hein. Ouais, ça enchaîne. C'est les Mikado de la région et je sais pas du tout à quoi c'est, mais là j'ai juste envie de faire passer le goût de l'insecte. Green tea. Ok, thé vert. Depuis quand on fait des biscuits au thé vert? Pff, oh là là là. Alors je précise tout de suite que le thé vert doit rester dans les boissons et en aucun cas venir sur un Mikado. C'est pas bon. Ça sent le sachet de thé, même pas le thé, ça sent le sachet de thé. Tac! Oh, ça a l'air d'être le. La petite chips locale, ça a l'air d'être au petit pois d'après ce qui est marqué. Pourquoi ils font pas des choses au sel? Au sel tout simplement. Ça sent fort le petit pois. C'est pas dégueu, mais c'est bizarre dans un contexte de gâteau apéro quoi. Ça avec le Ricard par exemple, je suis pas sûr que ça fasse très bon ménage. Ça, encore des petites graines.
Ça sent le gel douche. Je vais regoûter parce que c'est pas possible. Ouais. Ça sent le savon. Un sentiment d'haleine propre. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de petit pois entouré par un biscuit. C'est fou, ça a pas de goût. Ou alors peut-être que l'insecte a commencé à m'anesthésier. Je vais prendre le gros. Jeune demoiselle plutôt sexy quand même. Ça a l'air d'être des algues. C'est des algues. Pourquoi ce goût de poisson? Ça, c'est extrêmement pas bon. Je suis en train de manger une algue. Je veux dire quelque chose de très honnête. Je suis dans un hôtel plutôt cool. Il y a un buffet excellent, mais vraiment excellent. Il est l'heure d'aller à ce buffet. Je suis censé manger à ce buffet. Et je rate ce buffet pour manger des algues. Avec des oiseaux qui me menacent. Je vais la finir, hein. Mais j'ai pas envie. Surtout parce que le dernier, je sais ce que c'est. Non. Il y a toujours un petit moment particulier là, quand je fais tomber dans la main. Oh là là. Regardez ce qui vient de se passer là. Oh, il y a l'insecte qui est tombé, mais en plus, il y a une patte qui est tombée. Mmh. Ah. Pense à quelque chose qui t'a fait du bien hier soir. Pense à quelque chose qui t'a fait pas mal de bien hier soir d'ailleurs. Le goût est pas dérangeant, hein. C'est plus dans la psychologie là. Oh voilà, proche du vomi là. Voilà, on a fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que... Moi non. Les vidéos sortent un peu aléatoirement en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en rater. Cliquez sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné. Ça fait du bien. Et bien sûr, je vous dis... Merci. Bon allez, je vais vomir.